Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Momo avec vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube puisque je vais vous montrer une deuxième partie de 15 miniatures de ma boîte secrète. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pendant cette période de confinement et on commence tout de suite avec la première miniature et il s'agit d'une Dodge Dart de 1968 en version MOPA, donc en version 2020. Voilà. Donc, rien à dire, elle est terrible et malheureusement la mise au point se fait pas. Voilà. Et elle est franchement terrible, il n'y a rien à dire. Avec le Mopar là, Goodyear, franchement rien à dire. On continue ensuite avec une Renault Twingo Majorette. Allez, mise au point, please. Allez. Elle ne veut pas faire la mise au point. Je comprends pas. Allez, voilà. Et franchement, elle est terrible. Il n'y a rien à dire. Les couleurs, elles sont magnifiques. On continue ensuite avec une Nissan Skyline de chez Hot Wheels. Et franchement, pareil, il n'y a rien à dire. Voilà. C'est juste dommage qu'il n'y a pas la tempo à l'avant. Le liseré sur les roues nous rappelle bien le liseré sur la voiture. Il n'y a rien à dire. On continue ensuite avec une Camaro de 69 en décapotable. Donc celle-là, elle est un petit peu cracra, hein, elle a un petit peu vécu aussi. Voilà. On continue ensuite avec une Honda Civic Type R de 2018. Et là, il y a toute la tempo. Il n'y a rien à dire. Et là, c'est de la Manline 2020 aussi. Voilà, voilà. On continue ensuite avec une Ford Escort RS 1600. Donc, d'une Gumball 3000. Donc, c'est de la Manline 2019. Voilà. Et voilà. On continue ensuite avec une Tesla Model 3 S. Je vais dire Model 3, mais c'est une Model S et la tempo est complète. Voilà. Il n'y a absolument rien à dire sur cette voiture. On continue ensuite avec une Mini Cooper de chez Matchbox. Bon, dommage, il n'y a pas de tempo à l'arrière, hein, ça commence à faire comme chez Hot Wheels. Voilà. Et c'est une Mini Cooper S. Voilà. On continue ensuite avec une BMW 2002 de chez Matchbox aussi. Donc là, c'est de la Manhattan 2020. Voilà. On continue ensuite avec une Porsche Panamera Sport. Donc là, c'est de la Manline 2019, Hot Wheels. Voilà. Et voilà. Désolé. On continue avec un Ford Ranchero de 72. Là, il est un petit peu cracra aussi. C'est de la Mainline 2019 et il est terrible celui-là. Voilà. On continue ensuite avec une Lamborghini Sesto Elemento, donc d'un double pack de chez Action. Il y a de la tempo à l'avant, comme on peut le voir. Les liserés qui rappellent bien la carrosserie. Voilà. Dommage, il n'y a pas de tempo à l'arrière, mais on voit bien les diffuseurs et les feux. Pareil de l'autre côté, et ça, c'est le dessus. Voilà. On continue ensuite avec une Citroën... Attendez que je lise en dessous. DS4, Citroën DS4 de chez Majorette. Et elle est terrible, il n'y a rien à dire dessus.
La tempo est bien respectée et là, contrairement à nos rêves, on arrive à distinguer les feux de la carrosserie. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. On continue ensuite avec une Volkswagen Golf GTI, donc en Mainline 2019 de chez Momo. Donc dédicace hein, à tous les autres youtubeurs hein, qui font la dédicace chez moi quand ils me voient ça. Voilà. Elle est terrible. Et on terminera cette vidéo avec une 64 chevelles SS Manline 2019. Voilà. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les amis. Tchuss!